savez, à chaque fois que je commence cette émission, je dis que je suis très, très, très heureux d'accueillir mon invité. Et je me dis, est-ce que la prochaine fois, il y aura toujours autant de plaisir? Et je me rends compte que depuis que j'ai commencé cette émission, à chaque fois, c'est vrai, je franchis un palier parce que j'ai toujours une satisfaction supplémentaire. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que mon invité s'appelle Michèle Maillet. Elle a été une célèbre speakerine à la télévision. Et sans doute, à l'époque où elle passe à la télé, je devais avoir 12 ans, 12, 13 ans. Et c'est à cet âge-là qu'on découvre l'amour, qu'on aime voir les gens qui sont à la télé, qui sont jolis. Et Michèle Maillet était ça, comme ça. J'ai été peut-être amoureuse par le passé de Michèle Maillet quand elle était speakerine. Et ça me fait plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Michèle Maillet, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être mon invité. Merci de m'avoir invité. Alors, avant de commencer, je pose toujours la même question à mes invités. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Peut-être, quel est le souvenir ou l'émotion que j'ai ressentie dans ma vie, la plus importante? Oui, peut-être. Je crois que j'avais prévu quelque chose comme ça, oui. Donc on sera dans le thème. Alors, la première question que je vous pose, c'est qui est Michèle Maillet? Une Martiniquaise. Mais encore? Une Martiniquaise d'origine, puisqu'on en parle beaucoup maintenant, amérindienne. Mm-hmm. Mon arrière-grand-mère disait volontiers qu'elle était une Caraïbe noire. Et vous en êtes sans doute, et comme beaucoup, comme chaque Martiniquais, de ces peuples primitifs premiers, de ces peuples premiers. Et je suis quelqu'un qui, depuis toute petite, a voulu faire un métier de visibilité. J'ai toujours voulu travailler ou au théâtre, ou au cinéma, ou à la télévision. Toujours, je le disais à papa. Ça veut dire que vous avez un ego surdimensionné? Pas un ego surdimensionné, mais suffisamment dimensionné pour me dire que je pouvais le faire. Surtout que j'avais de beaux exemples. J'avais comme exemple Cathy Rosier. J'avais comme exemple la femme d'Eddie Edouard, Yolaine Darnis. J'avais comme exemple Sylvette Cabrisseau. Parce que c'est ça aussi, quand on cherche un peu qui on a envie de suivre, à qui on a envie de ressembler, c'était surtout à des Martiniquaises. Je ne cherchais pas à ressembler à Grace Kelly, vous voyez ce que je veux dire, mais à quelqu'un qui me ressemble. Donc parmi ces personnes, c'était elle. Donc oui, bon, je suis une femme qui aime rire, qui aime la vie, qui aime plaisanter, qui aime lire, qui aime son jardin, qui aime... On va rentrer dans tous ces détails un peu plus tard. Oui. Parlez-nous de vos parents. Ah, mes parents, papa et maman, mes parents. Oui. Mes parents étaient des gens qui m'ont donné beaucoup d'amour. Papa et maman, j'étais la seule fille du couple, mon père ayant eu une fille naturelle reconnue, mais qui vivait avec ses parents, et moi je vivais avec mon père et ma mère. Mon père était dans la Marine nationale, il était officier de la Marine nationale, et je vous ai envoyé des photos, hein, vous ne les avez pas mises là, on vous les mettra peut-être. Oui. Et papa a voulu faire une carrière dans la Marine, un jour en voyant la Jeanne au large de sa commune natale qui était Le Marin, et il s'est dit « je travaillerai dans la marine ». Et maman, elle, pendant que papa était en Indochine, à Madagascar, à Dien Bien Phu, elle a décidé de reprendre, grâce à Madame Labranche, une de ses amies, elle a décidé de refaire des études. J'avais 2 ans et demi, 3 ans, et donc, quand elle a fait des études foyer, d'infirmière. Non, mais maman n'a jamais été une femme au foyer, et elle n'a été... qu'aimante toute sa vie, parce qu'elle s'est beaucoup donnée. Je me rappelle, dans le quartier, quand nous habitions route de TSF, je salue toutes les personnes de la baie des Tourelles et de la route de TSF, et maman avait son métier, et elle, tout le monde, elle, moi, bisous infantil pitchy, aille chercher moi Edmond, parce que c'était Madame Edmond, et maman vaccinait tout le quartier et s'occupait de toute de toutes les personnes qui demandaient... un service. Ma mère faisait cela. Elle était très généreuse. Elle était
quelqu'un qui n'hésitait pas non plus à donner de l'amour. C'est-à-dire, j'ai vu ma mère qui n'a jamais fait que 45 kilos dans sa vie, qui a toujours été très mince. Un jour, chez nous, devant chez nous, il y avait une prise de bec entre un béquet qui sortait son fusil et un noir qui sortait son coutelas. Maman a traversé, elle a fendu la foule, elle les a séparés et elle leur a dit « Mon certes, c'est des papayiches et mon palais qui ont tué l'autre là ». Et puis là, à ce moment-là, je ne sais pas où elle a trouvé la force pour séparer ces deux personnes qui étaient vraiment en fureur. Et elle l'a fait. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'elle avait en elle qui lui permettait de se donner à l'autre, en fait. Et elle m'a dit, si je ne t'avais pas, j'aurais été infirmière en Afrique. Je serais partie en Afrique. D'accord. Oui. J'avais prévu de poser cette question. Est-ce que vous aviez des frères et des sœurs? Mais vous avez dit que vous étiez fille unique. Oui, hein. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous étiez gâtée? Oui, j'étais gâtée. J'étais gâtée. Petite chouchou de papa. Mais je n'étais pas pourrie. Je n'étais pas... Mon père était sévère. Ma mère aussi. Mais ils étaient très sévères. Mais j'étais gâtée. J'étais un... Enfin, si gâtée veut dire être un enfant aimé, j'étais un enfant désiré et aimé. Ma mère voulait d'une petite fille. Elle a eu une petite fille. Elle voulait d'une petite fille avec le type que j'ai. Et elle a eu cette petite fille avec ce type-là. Nous avons à peu près le même type, vous et moi. Et donc, elle était très heureuse. Elle a eu l'occasion de vous dire pourquoi vous étiez fille unique ? Oui, parce qu'elle avait perdu deux autres enfants. Elle a fait deux fausses couches. Elle a perdu deux autres enfants. Et surtout, j'étais fille unique parce que mon père n'était pas souvent là. Vous savez, quand on part 3 ans à Madagascar, quand on part, vous savez, c'était les guerres, c'était les campagnes, voilà. Oui. En Indochine, à Madagascar et ailleurs. Ah, donc, finalement, vous n'avez pas beaucoup voyagé grâce au métier de votre papa, alors ? Je n'ai pas beaucoup voyagé. Si, vous avez beaucoup voyagé. Adulte ou bien petite? Petite? Petite, oui. Enfin, petite, non. Nous étions fixés. Ici, la base, voilà. Quand on a quitté la Martinique pour prendre la compagnie transatlantique parce qu'il n'y avait pas d'avion, nous avons pris le Flandre. Vous savez, tous les Antillais prenaient les bateaux. Donc, nous sommes partis en bateau et nous avons vu au loin Notre-Dame de la Garde, cette boule dorée à Marseille. Et après, à Marseille, nous avons pris un bus. Nous sommes allés à Toulon. Parce que c'était la base navale, c'était ou Brest ou Toulon. Et papa a choisi le sud de la France parce que ça lui rappelait un petit peu la Martinique. Il faisait beau, il faisait chaud. Et c'est là que nous étions basés. Papa a beaucoup voyagé, il a fait 3 fois le tour du monde, il a beaucoup voyagé. Et nous étions à Toulon et il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait que le courrier. Le courrier ne prenait pas 4 jours, il prenait au moins 10 jours, 10, 15 jours pour arriver en Martinique. Et j'ai souvent vu ma mère pleurer parce qu'elle n'avait pas le courrier de son mari, parce que ce n'était pas comme ça non plus qu'on recevait du courrier de Madagascar et de. Voilà. Et elle n'avait pas le courrier de la Martinique qui arrivait souvent. Donc, j'étais plutôt en symbiose avec ma mère, en grande intimité avec maman. Et d'ailleurs, ça s'est très mal passé quand mon père est revenu de ses campagnes. Parce que ma mère m'avait appris à embrasser un homme qui était tout de blanc vêtu. Du costume de marin. Et quand mon père est arrivé... peut-être pour surprendre maman, on nous surprend de tous, il est arrivé habillé en célibataire. Et quand il a frappé à la porte, j'ai dit « Maman, il y a un monsieur qui frappe. » J'ai regardé, j'ai vu que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Parce que je ne le connaissais pas, hein, visiblement. Hein, quand il est parti 3 ans, je ne le connaissais pas. Quand il est revenu, et maman m'a dit « Embrasse-le, c'est ton papa. » J'ai dit « Non, 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 je n'embrasse pas cet homme. » Je suis allée chercher une photo et je lui dis « J'embrasse cet homme qui est habillé en blanc. » Cet homme tout de blanc vêtu, c'est lui mon papa. Mon père a été obligé de s'habiller en costume de marin, de marine nationale, en blanc, d'uniforme en blanc, pour que j'arrive à l'embrasser. Je lui ai dit d'abord bonjour monsieur, ensuite bonjour monsieur papa, et ensuite bonjour papa. C'était tout un apprentissage, vous savez, de l'amour d'un homme. Vous aviez quel âge quand il est revenu ? Quand il est revenu la première fois, on est arrivé à 3 ans et demi, à 5 ans. D'accord. À 5 ans. Et je ne le connaissais pas du tout, du tout. Je ne connaissais pas son odeur, je ne connaissais rien de lui. Et puis bon, c'est tout juste, il ne m'a pas embrassé de force. Vous voyez, ce n'est pas facile pour un enfant. Ce n'est pas facile. Et vous, vous êtes mariée, vous avez des enfants? Alors,
J'ai l'habitude de dire que j'ai eu 3 enfants. Je suis mariée, enfin j'étais mariée, je suis divorcée. Mais quand on me demande si j'ai des enfants, ça fait partie des souvenirs, des bons souvenirs. J'ai l'habitude de dire que j'ai 3 enfants. J'ai comme enfant le premier enfant que j'ai eu et que j'ai perdu à 3 mois. Ça, c'était une grosse douleur. J'ai un deuxième enfant. C'est celui, quand je suis allée en Thaïlande, qu'une jeune femme m'a tendu. Elle a mis dans mes bras et elle m'a dit en anglais, « Please take him, give him food. Prends-le, donne-lui à manger. » Elle devait avoir 16 ans. Quand je suis allée, je travaillais. En plus, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Et j'accompagnais des groupes qui demandaient... J'étais dans des agences de relations publiques et d'animation. Et on prenait des hôtesses et j'étais tout le temps choisie. Donc ça, c'était pour un voyage en Thaïlande. Et j'avais remarqué cette jeune femme qui me suivait. Et elle a mis l'enfant dans mes bras. Cet enfant, c'était exactement... Moi, quand j'avais le même âge que ce petit bébé qui devait avoir 2-3 mois. Mais je serais allée en prison, j'aurais terminé mes jours en prison. Je ne pouvais pas prendre cet enfant, c'était impossible. Et puis mon troisième enfant, celui que je dis, c'est un enfant spirituel, c'est Benoît, ce fameux Saint Benoît sur lequel j'ai écrit, qui m'est tombé du ciel. Et donc voilà, voici mes 3 enfants. Vous avez... Plus une quantité d'autres neveux, filleuls. J'ai beaucoup, beaucoup de filleuls et beaucoup de filleuls que j'affectionne et qui m'aiment énormément. Donc je suis une maman spirituelle, ça s'appelle ainsi. Pour les filles. Vous avez cherché à revoir cet enfant de Thaïlande Je n'avais pas pris son adresse, ce n'était pas facile. Mmh. Elle a couru parce que la police est arrivée tout de suite. Hein. On s'est vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. Et elle est partie tout de suite pour aller se cacher parce qu'elle n'avait pas le droit. Et j'aurais dû garder, je ne savais pas que je n'aurais pas eu d'enfant. Après, par la suite, j'aurais dû garder cet enfant. Il était... Monsieur Médouze, c'était un bijou d'enfant. Mmh. Je pense souvent à lui. Un trésor. Je pense un trésor. Ça, c'est... j'ai 3 trésors. Et puis le dernier, c'est lui. C'est Benoît. Saint-Benoît, l'Africain. On va en parler. Premier Saint-Noir canonisé par l'Église. Ça, c'est... Quand on vous voit parler de vos souvenirs, vous avez tellement de choses, parce que je vous ai entendu sur d'autres chaînes, Et j'ai regardé un peu sur Facebook, sur Internet, ce qu'il y avait sur vous. Il y a tellement de choses, vous avez fait tellement de choses. Vous avez une vie foisonnante, vous avez une vie tumultueuse. Comment elle était, votre vie? Comment vous la qualifiez, votre vie? Radieuse. Ah, c'est joli comme mot. Radieuse, ensoleillée, mais avec des îlots, des halos, îlots de tristesse parfois, de... Des creux de la vague. Des creux de la vague. Une vie n'est pas tout à fait complète. N'est pas un long fleuve tranquille. Ah, il met plein de remous. C'est la suite du film. Des tourbillons quelquefois. Voilà. Vous en avez eu beaucoup de tourbillons dans votre vie? J'ai été mal aimée. Mm-hmm. J'ai été trahie par quand des quand amis. Quand vous dites que vous avez été mal aimée, vous faites référence à votre mari ou... Je fais référence. Aux hommes qui ont été dans mon parcours de vie, qui n'ont pas toujours été faciles à vivre. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas élégant, su, qu'est-ce qu'ils élégant. Pas su trouver en vous qu'est-ce qu'ils n'ont, et qui étaient là pourtant, selon vous. Ah ça, il faudrait leur demander. Ça, je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas su trouver en moi, ou qu'ils ont trop trouvé, ou que j'étais peut-être trop aussi. Mmh. Peut-être que je ne leur laissais pas assez de place. Mmh. Peut-être que ma personnalité était... Vous savez, quand on arrivait à un endroit, les gens me tombaient là-dessus comme du miel. Hein. Enfin, du miel, je préfère dire ça. Mais c'était tout le temps... on venait tout le temps vers moi. Donc, vous voyez, l'homme... elle le disait aussi, Tina Turner, dans ses interviews avec son nouveau mari allemand. Hein. Voilà. Mmh. Les gens parfois manquent de délicatesse, manquent de finesse. Et puis surtout, moi, j'ai rencontré énormément de jalousie, hein, jusqu'à présent. Hein. Jusqu'à présent, même avec mes 70 ans passés, j'ai énormément de gens qui sont... et puis beaucoup de promesses
qui n'ont pas abouti, vous voyez, qui ne sont pas arrivés, des gens qui vous font croire qu'ils vont vous aider et qui ne le font pas, et puis ceux qui ont le pouvoir de le faire et qui ne le font pas. Notamment dans nos métiers, j'ai rencontré la seule fille qui m'a aidée, ça a été Liliane Francil. Je n'ai rencontré aucune directrice de station je suis même allée chez une célèbre directrice de station chanteuse, j'ai pleuré dans son bureau pour lui dire mes parents sont en fin de vie, j'aurais beaucoup aimé retourner les accompagner, vous avez une maman, vous savez ce que c'est, les accompagner, et il me faut au moins un poste 2 ans ou 3 ans en Martinique, j'aimerais bien revenir. C'était avec tout le parcours que j'avais fait, avec tout ce que j'avais fait au niveau de l'animation, au niveau du journalisme, parce que j'ai quand même fait, pour écrire l'Étoile Noire, du journalisme d'investigation, et que j'aurais pu très bien rentrer en tant que journaliste sur une chaîne de télévision en Martinique. Personne ne m'a écouté, personne ne m'a ouvert la porte, personne ne m'a aidé. Il n'y a eu que monsieur, je le dis, Alfred Marie-Jeanne, qui à un moment m'a, voilà. Mais sinon, m'a reçu et monsieur Petit, qui m'ont aidé. Sinon, personne. Alors, quand je pense qu'Élise Lucet n'a jamais fait d'école de journaliste, de journalisme, elle est la journaliste que l'on sait. Patrick de Carolis, pareil. Voyez, et puis d'autres, je cherche son nom, il fait de la... Frédéric Taddeï, il n'arrête pas de le dire, Frédéric Taddeï, je n'ai jamais fait d'école de journalisme. On lui a laissé la possibilité de faire beaucoup d'émissions. J'ai déposé quantité de projets d'émissions. J'ai déposé quantité. J'ai déposé une histoire à Antenne 2, c'était au tout début. Ça ne se faisait pas d'aller déposer un projet sur l'histoire de la diaspora noire. Maintenant, voilà, je l'ai déposé. Il n'a pas abouti, mais ni là-bas, ni ici. C'est-à-dire, j'ai été confrontée au même problème, que ce soit en métropole, que ce soit ici, au retour du pays. – Est-ce que vous pensez que c'est dû à votre couleur, vos origines ?– En métropole, à l'époque. Maintenant, la porte est ouverte depuis, je dirais depuis 5-6 ans. Les choses ont un petit peu changé dans le théâtre, dans le cinéma, à la télévision française. On voit des journalistes de couleur depuis une dizaine d'années. Mais moi, j'ai commencé la télévision en 1977, en métropole. J'ai commencé en 73, En Martinique. En Martinique. Et ensuite, en 77, en métropole, il n'y avait personne. Et quand il y avait une Antillaise qui réussissait, et que l'on voyait, ce n'était pas le poste auquel elle pouvait aspirer réellement, puisqu'on ne vous voyait que dans des minimades, que dans des choses qui n'étaient pas... c'était un combat extraordinaire en métropole pour arriver à faire du théâtre et du cinéma, qui était ma vocation première. Et c'était un combat extraordinaire en revenant ici pour pouvoir faire des choses. « Ah, mais ça y est, qu'on peut n'y partir en France, nous pas aller, machin. » Enfin, tout le truc à la créole, tout la jalousie, le microcosme, le petit pot de chambre merdique qui fait qu'on favorise un tel, en fonction de trucs. Je votais pas pour qui que ce soit, j'étais pas une femme politique, je n'étais pas dans les trucs, dans les magouilles, machin chouette et tout, j'ai jamais pu revenir travailler dans mon pays. Alors quand je vois maintenant, et je remercie Madame Conconne de le faire, et les autres de le faire, faire revenir les gens, mais combien de gens de ma génération qui ont voulu revenir travailler en Martinique, qu'on a chassé comme des malpropres en leur donnant un coup de pied, pas possible de revenir parce que, qu'avais-je fait en travaillant comme belle présentatrice martiniquaise représentant la Martinique sur une chaîne nationale. Qu'avais-je fait ? Vous êtes nostalgique ? Non, 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 je ne suis pas nostalgique, mais n'ayant pas d'enfant, je pense à cette période quand même, je pense à ce gâchis. Et d'ailleurs, Vigana le disait, Henri Vigana, il me disait, mais quel gâchis, défunt, Michel. Je sais, notre défunt Henri Vigana, il disait, mais quel gâchis, Michel. Excusez-moi, mais je parle beaucoup de gens qui sont morts maintenant. Celui qui faisait le sport, très connu, qui est mort sur un accident, dans un accident à Sainte-Luce, Camille Alexandre. Camille Alexandre me disait, mais Michel, on devait te reprendre, je ne comprends pas la chaîne. Mais ça a été
un truc fantastique, de difficulté à ce que je revienne travailler dans mon pays, dans ce que je sais faire. Vous habitez en Martinique ? Depuis 4 ans. Vous savez pourquoi je vous pose la question ? Parce que votre numéro de téléphone, il me semble que c'est encore un numéro de Paris. Alors, j'ai gardé sur mon mobile, mon fixe est de la Martinique, mon mobile est de Paris, parce que, vous avez vu les prix ? Entre SFR Martinique et SFR Paris ? Donc, vous savez quelque chose SFR... sur la vie chère, alors ? Sur la vie chère. Ah, nous peut y aller un œil aussi. Hein. Et... à tout niveau, Monsieur Petitot, il n'y a pas que la bouffe, hein, Monsieur Petitot. Et je voulais vous dire, moi j'ai une amie, elle s'appelait Annick Petitot, vous avez dû connaître Annick, qui était professeure, qui était une grande dame. Monsieur Petitot, soyez aussi grand que cette dame, qui doit être votre grande tante ou votre machin. Pour l'instant, ça va, Monsieur Petitot, mais restez quand même dans le calme de la douceur, qu'on ne soit pas affamé, mais il a raison. Il a raison de faire cette grève. Il a raison de prendre le taureau par les cornes et de le faire. Ça dépend comment il va le faire et comment aussi on va... toutes les instances et les deux experts, on nous a envoyé deux experts. On va voir ce que vont dire les deux experts. Mais pour l'instant, il faut prendre les choses à bras le corps, mais dans l'honnêteté, dans la droiture et dans l'honnêteté. Alors, on revient à vous pour mieux vous connaître. Vous permettez que je vous appelle Michel ? Ah, je vous en prie. Michel. J'aime beaucoup mon prénom, d'ailleurs. Oui, c'est un joli prénom. C'est un joli prénom. Oui. C'est Miklaël. C'est un prénom d'origine hébraïque, d'origine juive. Miklaël. Celui qui est l'ange qui est le plus proche, qui ressemble à Dieu. Point d'interrogation. Car nul n'a vu Dieu et nul n'est censé savoir si c'est vrai. Puis ça gonflerait trop mes chevilles. Mais ma mère m'a donné ce prénom exprès. Tellement... D'ailleurs, deux jours avant de mourir, elle m'a dit « Tu es ce que j'ai fait de plus beau, Michel. » Vous savez, c'est quand une maman vous dit ça. Vous savez, ça m'accompagne tous les jours quand je suis dans mon jardin. Et elle me dit « J'ai eu un bon mari. J'ai eu un bon enfant. J'ai eu un bon métier. » Ça, c'est... Elle a une vie comblée. Elle a eu une vie comblée. Elle était heureuse, bon, avec les hauts et les bas de vie de femme, de toute vie de femme. On a des hauts et des bas. Mais elle est morte deux jours après. Elle n'était pas malheureuse. D'accord. Alors, elle est morte dans mes bras. Hein. Oui, je l'avais demandé à Dieu. Hein. Oui. Je suis très heureuse de ça. J'ai dit, Seigneur, parce que je dédicassais mon livre à Limoges. Enfin, je dédicassais beaucoup. Et, j'avais déjà signé. J'étais obligée d'y aller. Mmh. Et j'ai dit, maman, attends-moi. On était à Bretonneau. Mmh. Alors, franchement, j'ai dit aux Martiniquais, quand vous êtes malade, si vous partez en France, c'est un mouroir 5 étoiles. Aller vraiment à l'hôpital Bretonneau. Le personnel est impeccable. Les chambres, on est venu me dire, alors votre maman, on la met dans une chambre seule ou avec plusieurs personnes. Alors j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu veux ? Elle me dit, peu importe, mais seule, pourquoi pas ? On m'a demandé, voulez-vous qu'on mette son nom sur la porte ? On a mis son nom sur la porte. Et comme ma mère était infirmière, à chaque fois que j'arrivais dans sa chambre, il y avait une cour d'infirmières, même le médecin. Madame Edmond nous raconte des histoires extraordinaires. Elle racontait des histoires dans son métier d'infirmière en métropole et dans son métier d'infirmière en Martinique. Et aussi le racisme qu'elle a subi. Parce que je vous ai envoyé la photo, on la voit en salle d'opération, et le chirurgien lui dit « Hé, la noire, amenez-moi le bistouri. » Maman s'est arrêtée, elle lui a dit « Monsieur, la noire s'appelle Madame Edmond. » Et à partir de ce moment-là, les choses ont été claires. Mais vous voyez, à ton niveau, le racisme est à ton niveau. Quand j'étais petite et que je rentrais à la maison, que je pleurais, maman me disait « Mais pourquoi tu pleures ?» Je lui dis « Maman, l'institutrice a baissé ma culotte devant tout le monde pour me donner une fessée. Les enfants ont ri parce que mes fesses étaient noires. » Je lui dis « Maman est allée, maman s'est habillée. Maman, vous voyez que maintenant, il y a une institutrice qui a battu un enfant qui était tout habillé. Hein? Elle a perdu son travail, machin chouette et tout. » Alors, à mon époque, et j'étais dans ma classe, il y avait une indochinoise, une arabe et une noire. C'était moi. Il n'y en avait pas beaucoup. Donc, quand on fait ça,
ça passait comme une lettre à la poste. Mais les religieuses ont dit à maman, Madame Edmond, votre fille sait se défendre. Je les mordais, je les battais, je me défendais. Je me suis toujours défendue. D'ailleurs, j'ai fait un procès à Antenne 2. J'ai gagné après que Antenne 2 ne m'ait pas bien. Je le dis parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas ma vie. J'ai fait un procès à la chaîne et j'ai un procès café qui fait jurisprudence et qui protège tous les animateurs de télévision à l'heure actuelle. C'est quand même... je ne me suis pas laissé faire. Ça m'a rappelé quand j'étais petite, justement, et que je ne me laissais pas faire. C'est bien. Faisons encore mieux connaissance. Vous n'avez pas seulement une vie à la télévision. Vous avez commencé par être professeur des écoles, c'est l'équivalent de... Vous êtes institutrice. Institutrice, alors, à Desrochers. Comment ça se passe? C'était une vocation, vous aviez envie d'être, ou bien c'est les aléas de la vie? Non, ce n'est pas les aléas de la vie. Je voulais gagner un peu d'argent avant de faire autre chose, avant de partir faire d'autres études. Donc vous savez que vous ne seriez pas instituteur tout le temps? Je le savais, mais en même temps, je voulais découvrir ce métier d'enseignement. Vous l'avez aimé? Oui, je l'ai aimé, mais en le faisant, ce n'était pas ma place. Vous savez, pourquoi ? Il y a un proverbe amérindien qui dit « Où vont tes pieds et ta place ?» Et j'ai senti que mes pieds étaient à Desrochers, mais que ce n'était pas ma place. D'accord. Ce n'était pas ma place et que je ne l'aurais pas fait tout le temps. Et donc, j'ai dit « Maman, je veux faire des études d'espagnol, mais c'était pour faire autre chose. » Donc, je suis partie en Guadeloupe, à Benbridge. Donc, vous êtes restée combien de temps, institutrice ? 3 mois. Seulement ? 3-4 mois, à peu près. Et c'était... Un trimestre, parce que la rentrée universitaire était en janvier. Vous voyez, était janvier, donc il fallait que je parte en Guadeloupe. Alors là, j'étais avec Gilbert Pagot, avec, comment il s'appelle, lui faisait histoire, avec aussi Louis-Georges Placide, avec Marie-Claire Beaubrun, Daniel Beaubrun. Camille Chauvet? Non, je n'ai pas connu Camille Chauvet. Je n'étais pas de la génération de Camille Chauvet. Il était plus âgé que moi, Camille. Hein. Je veux bien avoir de l'âge, mais ne rajoutez pas une louche parce que... Non, je pensais parce qu'il parle de Louis-Georges Placide. Il parle beaucoup de... Oui, parce que Louis-Georges Placide est un homme dont on se rappelle. C'est un garçon remarquable depuis... Il parle comme s'il était encore là. Camille est partie. Depuis... Quelle Camille? Camille Chauvet. Oui. Ben, toutes les... Il n'est pas parti, il est là, il est dans le monde invisible. Moi, je crois qu'il y a deux mondes. Notre vie change selon que l'on croit en Dieu ou que l'on ne croit pas en Dieu. Tout à fait. Je vais vous poser cette question. J'ai prévu de vous poser cette question sur la foi. Mais je voulais comprendre, c'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir été institutrice, ça vous a ouvert des portes ou bien facilité pour être speaker à la télévision? Non, pas particulièrement. Parce que je pensais qu'il fallait avoir une bonne mémoire, il faut bien savoir écrire le français, bien manier la langue française. Je crois que j'ai encore, Dieu merci, encore un tout petit peu de mémoire. Et en fait, non, c'est quand j'étais à Air France, figurez-vous. J'étais hôtesse à Air France à un moment, à Air France à l'aéroport. Oui. Et là, j'entends que l'ORTF cherche une présentatrice de télévision. Et comme je voulais faire du théâtre, du cinéma, de la télévision, ce métier de visibilité... Parce qu'institutrice, c'était bien, mais c'était rendre les autres visibles. Et moi, j'étais pas du tout... Par mon canal, les autres devenaient visibles. Quand vous postulez, vous êtes déjà mariée ou pas? Oui. Oui, parce que je suis connue sous le nom tout de suite de Michel Maillet. D'accord. C'était pas Michel Edmond qui a postulé. Mais papa me dit et mon mari me disent, si tu as envie de faire ça, mais vas-y, présente-toi. Et je me suis présentée à l'ORTF. C'était Monsieur Vilstek. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Michel Vilstek, à l'époque, était le directeur artistique. Il y avait 2500 filles dans la cour, des plus belles les unes que les autres. Pourquoi vous avez été retenue, vous? J'ai été retenue, moi, parce que je crois qu'il fallait aussi un concours. C'est pas tout le monde qui avait le bac quand elles se sont présentées. Et je crois qu'il y avait un concours écrit. Ah, et dans le concours écrit... Donc ça vous a aidé d'être institutrice? Ça m'a aidé d'être... Je reviens à votre question, vous avez raison, ça m'a aidé d'être institutrice. Vraiment, vraiment. Oui. Et j'ai pu, à ce moment-là...
Après, il y a eu un concours de télégénie avec une caméra pour savoir si le visage... Mais vous savez, on retient de vous cette époque où vous avez travaillé à la télévision martiniquaise, hein, mais vous avez été également présentatrice en France, sur Antenne 2, oui. Pendant ce qui était Antenne 2 à l'époque. Quoi. Oui, continuez, pardon. Donc, comment ça s'est passé pour entre la Martinique et la France? Vous êtes partie ou vous avez... Je suis partie par amour, suivre mon mari qui voulait retourner vivre, voilà. Et nous avons visité un studio, enfin j'ai visité... Non, il était venu avec moi. Un studio, il y avait Claudie Leméré, je ne suis pas la première antillaise à avoir fait de la télévision, qui était martiniquaise aussi, et elle m'a dit qu'elle allait donner sa démission. Donc nous, on était en vacances un moment, et on est retourné. Il y a eu Cathy Rosier aussi, non ? Il y a eu Cathy Rosier, mais ici, pas en France. D'accord. En France, c'est Sylvette Cabrisseau. Alors, je trouve que quand même, nos médias sont ingrats. On n'a rien fait sur ces... Elle n'est pas morte, hein ? Elle est vivante, hein, Sylvette, hein ? Sylvette est vivante, rien sur elle. Si ce n'était pas parce que j'étais une battante et que j'avais écrit et que je continue à faire les choses malgré les méchancetés, les mauvaises langues, les difficultés que j'ai rencontrées, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment est-ce que les gens ont été mauvais, mais les nègres ont été plus mauvais avec moi que les blancs. Je vous assure, M. Bédouze, ça a été quelque chose, parce que quand vos parents sont en fin de vie et que vous voulez revenir travailler en Martinique, la porte est fermée à double tour par des gens, parce qu'à ce moment-là, c'était plus des blancs qui étaient directeurs artistiques, hein. C'était des hommes et des femmes de mon île qui venaient danser chez moi, qui venaient s'amuser chez moi. La porte était fermée à double tour. Mais vous m'avez posé la question, comment cela s'est-il passé? Ne croyez pas que j'ai de l'aigreur. Hein. Je n'ai pas d'aigreur. C'est une simple constatation. Je constate que nous ne nous aimons pas. On n'arrête pas de le dire. D'ailleurs, il a dit, ce jeune homme qui se bat pour que la vie soit moins chère pour nous, nous ne nous aimons pas. Nous devons arriver à quelque chose de... Nous devons changer cette vision de nous-mêmes. Le changement est-il possible? On aurait été marqué à ce point, mais c'est donner raison au maître. Nous aurions été, il y aurait les gravés dans notre dos, les cicatrices de l'esclavage et avec le masque de refusant de dire ce que nous sommes. Non, nous devons faire les choses, nous devons nous aimer. Parfois, quand on fait... Moi, je vois de belles femmes, je veux revenir à Antenne 2, des belles femmes, vous leur faites un compliment, elles vous regardent, elles sont surprises. On ne se dit pas de gentilles choses, on ne se parle pas. Vous savez, saint Augustin dit « Aime et fais ce que tu veux ». C'est très important, cette phrase. C'est l'une des plus belles phrases. Elle me revient souvent. « Aime et fais ce que tu veux. » Parce que quand tu aimes, tu vois la beauté de l'autre, tu vois la beauté d'un paysage, tu vois la beauté d'un instant télé que nous partageons et que nous allons rendre au public qui nous écoute. On voit... c'est Dostoïevski qui dit, c'est la beauté qui fait dire à l'un de ses personnages, au prince Mishkin, c'est la beauté qui sauvera le monde. C'est là, dans l'idiot. C'est la beauté, rien d'autre. Ce n'est pas « ibon comme ça » et le mot à maman en permanence. Non, 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 non. C'est de nous aimer, de nous dire et de faire comment vous dire, de construire une civilisation de l'amour. Bon, c'est pas moi, c'est Jean-Paul II. Mais c'est vrai, il faut qu'on arrête avec cela. Donc, pour Antenne 2, quand je me suis présentée, à Antenne 2, parce que je suis rentrée par concours en Martinique, mais là-bas aussi, hein, sauf qu'il y avait Xavier Larère qui avait épousé Sylvie Genevoix, la fille de Maurice Genevoix, de l'Académie française et tout. Quand il m'a vu, il m'a dit, mais attendez, 5 ans en Martinique sur une chaîne nationale, madame, vous n'avez pas besoin de passer de concours pour être présentatrice à la télévision en métropole. Vous avez déjà passé tous les concours. Et quand il m'a vu, il m'a dit, je vous prends tout de suite. Et il m'a prise tout de suite comme présentatrice. Mais là, encore, les difficultés se présentaient parce que j'étais pour faire un peu bouche-trou à l'époque. Je n'avais pas un contrat définitif et c'est venu par la suite présentatrice. Mais je me suis très vite aperçue qu'être présentatrice de télévision n'était pas, même si j'étais
entouré d'une jalousie immense parce qu'on vous fait passer pour vous êtes une imbécile, hein, quand vous, hein, un petit homme, ouais, sois belle et tais-toi, machin et tout ça. Non, 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 je me suis dit, tu vas faire autre chose. Et quand je suis allée dans les conférences de presse, j'avais pas fait d'école de journalisme, mais comme je vous dis, il y en a plein qui n'ont pas fait d'école de journaliste et qui sont journalistes. Et il n'y avait que 3 femmes à l'époque. C'était un métier, même ici, en Martinique, il n'y avait que des hommes à l'époque. Il y avait Bernard Régis, Eddy Edouard, Marcel Bozza, Raymond Calixte, François Emica, il n'y avait que des hommes. La première femme qui fait de la télévision à l'ORTF, c'est la Guyanaise que vous connaissez, voilà. Et je veux retrouver son nom tout à l'heure, c'est la première, Anastasie Bourquin. Anastasie Bourquin qui fait de, voilà. Donc, j'allais en conférence de presse, je les voyais tous, ils me regardaient, mais c'était l'époque Mourouzi, j'ai vu arriver PPDA, j'ai vu arriver Patrice Laffont, ce qu'il a fait, j'aurais pu le faire, enfin d'autres, mais je n'avais, c'était niette. Il y avait aucune. D'ailleurs, quand j'ai voulu être hôtesse de l'air, long courrier, on m'a dit, vous serez hôtesse de l'air, mais. Oui, les vols régionaux. Vols régionaux, et ensuite. C'est-à-dire hôtesse de l'air. Non navigant. Non, voilà. Mmh. Voilà. J'étais pas PNC, personnel non navigant. Personnel qui pouvait naviguer, voilà. Et donc, tout était, à mon époque, il n'y avait aucune fille qui faisait de la pub. Aucune fille. Là, on voit maintenant toutes les publicités, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Je m'en réjouis, je regarde tout. Il n'y avait pas Tropique Criminel, il n'y avait pas Tropique Amer, il n'y avait pas tous les films, tout ce qui est fait maintenant, où j'aurais pu aller quand j'avais 30, 40, 50, 60 ans. Vous voyez, rien, il n'y avait rien. En fait, il faut que quelqu'un nous prenne par la main et nous aide. Et quand je suis arrivée en France, j'ai pris des cours d'art dramatique, bien sûr, si on veut faire du théâtre. J'ai pris 5 ans des cours d'art dramatique avec mon professeur Luc Charpentier à Paris. J'ai amené France, d'ailleurs, à ces cours-là. Elle l'a vu. Après, elle est allée au cours Simon. Et puis, je l'ai surtout amené, je le dis, parce que si à mon âge, personne ne le dit, moi je le dirais. Il y avait l'émission Incroyable mais vrai de Jacques Martin. Et je lui ai dit, France, tu as quelque chose d'incroyable mais vrai. Elle m'a dit, mes yeux. Alors j'ai dit, oui, tes yeux. Elle a des yeux hectachromes. Elle a 5 couleurs dans un œil et 5 couleurs dans l'autre. C'est pas rien que ce soit une Martiniquaise qui ait ses seuls yeux au monde. C'est une Martiniquaise qui est France. Et je lui ai dit, tu vas passer à l'émission de Jacques Martin. Jacques Martin, quand je suis arrivée, on a été reçu par Cécilia, qui n'était pas encore, qui était la femme de Jacques Martin, qui n'était pas encore Cécilia Sarkozy. Et Jacques Martin m'a dit oui, j'ai pris rendez-vous. Je suis venue avec France par la main, avenue de Wagram, et il m'a dit, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai mis un spot dans les yeux. Oh, et ils m'a dit, tous, on a dit, incroyable mais vrai. Et elle faisait l'émission Incroyable mais vrai. Et c'est là que Christian Lara l'a vu et lui a donné l'occasion de faire son premier film, Coco la fleur. Et je trouve que c'est très bien tout cela. C'est très, très, très bien. Et elle, par la suite, elle m'a renvoyé des ascenseurs. Et dans son film, son dernier film sur sur la Martinique, voilà, elle m'a donné un petit rôle dedans. Et voilà, je la remercie. Il faudra faire attention parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder tous les thèmes que je voulais. Je voulais parler également de vos ouvrages. Vous avez écrit 3. Mais avant, vous avez réglé des comptes également dans vos écrits. Dans le premier livre, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. C'est pas ce que j'ai fait de mieux. Votre cœur sans doute qui parlait. Et puis c'était, attendez, les gens m'arrêtaient dans la rue, hein. Pourquoi vous ne faites plus de télévision, hein? C'est tout juste si on m'insultait pas, me dire, et ici, on me disait, payatre au petit bas au palais Rivini, alors que je ne demandais qu'à revenir. Vous êtes une taquine, parce que vous donnez comme titre, Bonsoir fête d'Obdourev, mais vous réglez des comptes ou... Bonsoir fête d'Obdourev, c'est ce que je disais tous les soirs. Je disais aux téléspectateurs, bonsoir fête d'Obdourev. Donc je me suis dit, bon, ils vont se rappeler, parce qu'on a vendu du livre, hein, on en a vendu, hein, de celui-là, on a fait 1 million d'exemplaires, de l'autre, on a fait l'étoile noire 200 000, mais on en a vendu beaucoup, 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 parce que l'étoile noire est traduite en plusieurs langues, c'est ça qui fait que... Voilà, mais... oui, il fallait que je dise voici ce qui m'est arrivé. Parce que c'est facile de faire... C'est laisser une trace, c'est pour une manière de laisser une trace, c'est ça ?
Oui, parce que mes livres aussi, ce sont des enfants. C'est quelque part, c'est un enfantement. Écrire, c'est un enfantement. Écrire sans amour, disait Cocteau, n'est qu'écriture. Il faut dire les choses. Et puis, il faut dire aux Martiniquais ce qui nous arrive, ce par quoi nous passons. Il faut le dire. Il n'y a pas de honte. Moi, j'ai aucune honte. Tout ce que j'ai fait, j'étais nickel chrome. J'ai assuré. Les Antillais qui sont revenus, qui sont à la retraite et qui sont revenus, qui m'arrêtent en Martinique, je peux vous dire qu'ils me disent « Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez, nous avez aidé ?» Quand on arrivait, on s'asseyait, on se mettait devant les parents de David Macaire, Monseigneur Macaire, m'ont adoré à la télévision. Et d'autres Antillais. Christiane Hédapierre, un amour de femme. Christiane Hédapierre et plein d'autres Antillais qui vivaient en France. J'étais un dès que j'apparaissais, parce que j'ai reçu du courrier, j'en ai encore à n'en plus finir. Et l'une des plus belles lettres, Monsieur Médouze, que j'ai pu recevoir, c'est la lettre d'un gendarme, Monsieur Faure. Je ne sais pas si Rivière Salée. Vous l'avez lu, la lettre dans mon livre. J'ai 88 ans, monsieur, madame, m'écrit-il. Vous vous êtes présenté en disant que vous êtes de la Rivière Salée. J'étais le premier gendarme de la Rivière Salée. Vous m'avez donné du bonheur, madame, quand vous avez dit que vos grands-parents étaient monsieur et madame Béroir. Alors je continue la lettre. Il me dit, êtes-vous la petite fille de Ferdinand ? Ferdinand est mon grand-père, Ferdinand Béroir. Il était fou de joie et il m'apportait son bébé, Léonie. Léonie est ma mère. Son bébé qui venait de naître. Regarde, j'ai une petite fille, regarde. Il m'a dit son prénom, j'ai oublié son prénom. Léonie, ma mère. Donc vous voyez, vous ne faites pas n'importe quel métier, monsieur Médouze. Les gens de radio et de télévision ne se rendent pas compte. Ça capotait loin. Ça va loin. Pour avoir été sur une chaîne nationale, en disant qui je suis, d'où je viens, j'ai donné du bonheur à un gendarme qui m'a dit, j'ai vécu 10 ans en Martinique, madame, mes plus belles années, et je ne me lasse pas de cette île. Et il m'a dit, énorme, il a acheté mon livre, il a fait acheter, il y a cette lettre, et la lettre d'une déportée, parce que vous avez parlé de mes livres, qui me dit, madame, j'ai tout reconnu dans votre récit. Parce que vous savez, pour qu'une petite Martiniquaise, laïka sotila, et 5 pages d'une préface de Madame Simone Veil, présidente pour le consistoire La mémoire de la Shoah, on ne force pas, qui est décédée aussi, on ne force pas la main de Madame Simone Veil, hein, pour faire une préface pour Michel Maillet. Donc j'avais ma place quand j'ai voulu revenir travailler en Martinique. Michel. Mais ben là, t'es blindé. Ouais. T'es fin main à double tour. Michel, dites-moi, quels sont vos rapports avec Dieu ? Mes rapports avec Dieu, j'espère qu'ils sont bons. Mes rapports avec Dieu, je suis croyante. Et quand, vous savez, on traverse... Vous pensez que vous avez une place réservée au paradis ? Je crois au paradis. Je crois au miracle. C'est pas ce que je vous ai demandé. Je crois au miracle. Vous pensez que vous avez une place réservée au paradis ? Non, ça c'est vraiment manquer d'humilité. Je veux bien manquer d'humilité, mais pas à ce point-là. Mais Césaire disait « Le crayon de Dieu n'est pas sans gomme ». Donc, si le crayon de Dieu n'est pas sans gomme, monsieur Césaire, moi, caille, wow, parce que Césaire est peut-être au paradis, pas même savent. Et voilà, voilà. Donc, je pense que, oui, je relis en ce moment de la brièveté de la vie de Sénèque, rien que ça. Mais c'est vrai que je crois que l'enfer existe. Mais il est pavé de bonnes intentions, ce n'est pas de moi, hein, c'est de Dante, il est parfait de bonnes intentions. Mais je crois aussi que le paradis existe et nous nous retrouverons là en foire. C'est l'un des 7 moines de Tibérine à qui on a coupé la tête, qui ont écrit, qui disent « J'accorde mon pardon ». Parce que nous avons un problème en Martinique, il est lié au pardon. Nous devons. On ne peut pas faire l'économie du pardon, monsieur Médouze. Et vous le savez, nous devons tout pardonner. Mais vraiment tout. Tout. Et ça donne une nouvelle dimension à l'homme. Vous avez déjà discuté avec le professeur Charles Nicolas ? Ah oui, j'ai déjà... Vous avez sa théorie, je l'adore, cette théorie, où il explique que, vous voyez, imaginez que nous sommes
en pleine période de l'esclavage, il y a un enfant qui est avec sa maman et son papa, qui sont des esclaves, hein, ils sont tous des esclaves. Et le maître arrive sur son cheval, son grand cheval blanc, et il se saisit de la femme esclave, il la viole pratiquement, et le mari, ne pouvant rien faire, fuit des yeux, fuit le regard de sa femme, et l'enfant cherche, lui, le regard de son papa, la force de son papa contre ce maître qui est méchant, qui fait du mal à sa maman, et le papa, il détourne les yeux. Vous pensez, je vous dis ça, j'ai la chair de poule. Il parle d'épigénétique, vous savez, on parle aujourd'hui d'épigénétique, de choses qui marquent. Et je crois qu'il y a encore des marquages. Ah oui. Il y a encore des marquages. Donc, pour pardonner, il faut peut-être encore, on peut laisser le temps. Ah, mais il faut en parler. Ah oui, mais il faut en parler beaucoup. Oui. Il faut parler de l'esclavage. Je salue M. Bosselin qui fait un travail extraordinaire. Et tous ceux qui font des films sur l'esclavage, tous ceux qui en parlent et qui le font. Mais il ne faut pas rester. Il faut convertir. Faut retourner la douleur en quelque chose qui nous permet... En force, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il faut convertir tout ce qui est négatif en force positive. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je n'ai pas l'impression que... À la limite, l'esclavage est une force pour nous. Sont toujours c'est une force. C'est une force ce qui nous est arrivé. C'est une force. Regarde. C'est de la résilience, hein. C'est une forme oui, de résilience. Boris Citrulnik le dit très bien, c'est une force de résilience, forme de résilience. Mais on ne peut pas accuser sans arrêt l'autre de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Parce qu'on n'est plus esclave quand même. On est esclave d'autre chose, sans doute. Ah oui, on est esclave. Certaines consommations, on est esclave de... Oui, donc on c'est... Oui, non, mais je parle pas... de l'esclavage lui-même, oui, oui, oui. De la partie esclavagiste et terrible de ce que vous avez raconté. C'est pas... C'est... On doit tout pardonner. On peut pas s'en sortir. On peut pas s'en sortir autrement. Donc je reviens à ma question, parce que j'ai l'impression que... Peut-être que je me trompe. Quels sont vos rapports avec Dieu ? Mes rapports avec Dieu ? Ce n'est pas forcément d'aller m'enfermer dans une église, mais par contre, ce sont des parcours de vie. Je vais souvent dans des monastères. Je vais souvent dans des monastères spécifiques. Il y a des monastères, par exemple, l'abbaye de Lérins, c'est un monastère où on va pour prier pour les personnes qui sont alcooliques ou les personnes... Je vais dans des monastères, mais pas que pour moi. Je vais aussi pour prier pour les autres, parce que ça n'a aucun intérêt de prier que pour soi. Il faut prier aussi pour ceux qui nous entourent. Et je vais dans des lieux de... où je peux avoir un temps de solitude. En fait, moi, j'aime beaucoup, j'ai l'air comme ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup dansé, je me suis beaucoup amusée, mais j'aime beaucoup la solitude, parce qu'elle nous permet de rentrer à l'intérieur de nous. Assieds-toi au bord du... C'est Tagore qui dit « Assieds-toi au bord du silence et tu entendras Dieu te parler. » Oui. Eh bien, l'entendez souvent vous parler ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Figurez-vous que je le sens, je le sens le matin, quand il n'y a pas de bruit du tout, quand la nature s'éveille, que les coqs n'ont pas encore chanté, qu'on voit que le soleil va se lever à peine, on n'entend ni les coqs, ni les chats, ni le bruit environnant, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Ce qui fait que je lis un très beau livre en ce moment du cardinal Sarah qui s'appelle cardinal Sarah, la force du silence contre la dictature du bruit. C'est important. Donc dans ces moments de grand silence, au lever du jour, je l'entends plus que le soir. Le soir j'ai sommeil, je m'endors rapidement, je l'entends pas. Ça dure pas très longtemps. Ça dure peut-être 2-3 minutes, à ce moment-là, j'ai la certitude que Dieu est là. Et je lui confie ma journée.
Oui, je regarde la croix, oui, j'embrasse la croix tous les jours. Le matin, j'embrasse ma croix. Le soir, j'embrasse ma croix. Oui, je vais mettre des fleurs sur le cimetière où se trouvent mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Je fleuris la tombe. Oui, j'essaye de ne pas dire trop de mal des gens, mais je suis martiniquaise. Je peux aussi avoir... peut-être une réflexion qui n'est pas juste. On est des êtres humains, on n'est pas encore, on n'est pas tout à fait en odeur de sainteté, même si c'est vers, nous tendons vers la sainteté. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. Quand on croit, c'est le dernier moment sublime de notre vie. Si un homme vous dit « je suis un dieu », est-ce que vous le trouvez prétentieux ? À peine t'ai-je fait moindre qu'un dieu. Nous sommes proches de Dieu. Mais il y a encore une phrase plus facile, hein, « tel père, tel fils ». Oui, tel père, tel fils. Donc si je suis le fils de Dieu... Je suis un dieu. Oui, oui. Je ne me vante pas en disant cela. Non, on ne se vante pas. Pourquoi a-t-on peur de dire que nous sommes des dieux ? C'est la peur de Dieu. Mais non, Dieu ne peut pas être fâché quand on dit qu'on a peur. Oui, non, il ne peut pas être fâché. Donc on peut non, pas il avoir est content. Peur. Oui. Il est content. Mais donc il faut qu'on... Mais ça, c'est... Là, on vole haut, hein. Là, c'est une grande oui. réflexion. Oui, là, tout à là, fait. Là, c'est une... C'est pour cela il faut que je vous ai demandé faire appel aux philosophes chrétiens. Oui, mais je trouve que ce n'est pas parce qu'une église est remplie de fidèles qu'il y a plus de foi. On peut très bien rencontrer quelqu'un qui ne va jamais dans une église, qui a un petit oratoire privé. Vous savez, chez moi, j'ai une petite niche, hein, et qui est quelqu'un de profondément croyant. Vous savez, les ermites, ceux qui partent comme ça et qui dans le désert de Gobi ou ailleurs, et ils sont dans un petit une petite grotte qu'ils ont construite eux-mêmes et il n'y a aucun objet religieux à l'intérieur et ils sont profondément croyants. Et ils passent, il y a ceux qui passent aussi, ils donnent leur vie à Dieu en priant pour l'autre et on croit qu'ils ne connaissent pas le monde et ils connaissent très bien le monde en n'ayant jamais voyagé. Mmh. Et puis j'aime beaucoup aussi en Éthiopie, voici l'un de mes derniers voyages. Il faut que je fasse l'église souterraine, la Libella, en souterraine, où se trouve le corps de nombreux saints éthiopiens. Voilà, je dois aller là. Elle est sous terre, elle est... Oui. C'est quoi votre coup de cœur en ce moment ? Mon coup de cœur ? Oui. En littérature ? Dans n'importe quel domaine, c'est quoi votre coup de cœur en ce moment, quoi ? En ce moment, c'est surtout mon jardin. Je crois qu'on a le même coup de cœur, parce que quand je vous ai entendu, vous m'avez dit, j'ai pas pu vous répondre, j'étais dans mon jardin. Mon coup de cœur, c'est de voir que... Je plante de la patate douce en ce moment. mais mon coup de cœur, c'est de... j'aime la télévision, donc de regarder les nouvelles émissions et de voir... Et puis ça a été les Jeux Olympiques. Hein, ça, franchement, les Jeux Paralympiques ont été pour moi plus importants que les valides. Hein, c'était formidable. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Pourquoi je peux vous expliquer ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez préféré les Jeux Paralympiques que les Jeux Olympiques ? Parce que vous savez, je trouve que quand on est un homme, qu'on est dans l'armée... Vous sautez sur une bombe, vous perdez vos deux bras et vos deux jambes et que vous arrivez à être un champion, à être souriant, à être beau comme un gosse, comme un dieu, qu'elle veut dire, beau comme un dieu, et de continuer à croire en Dieu. Et quand vous êtes une petite fille, celle qui est Amélie, là, qui a fait beaucoup, voilà, quand vous êtes dans des difficultés, parce que vous savez, aux Antilles, on se moque beaucoup des gens. D'ailleurs, rien n'est fait pour prendre le bus, pour prendre des trucs. Tout est difficulté quand on a... Voilà. Moi, je vois, j'ai une petite difficulté à marcher liée à une... en ce moment, liée à une scoliose. Je n'ai pas le dos très droit, donc j'ai le dos légèrement déformé, qui fait que...
Vous savez, c'est difficile, les trottoirs, les bus, les machins, les, voilà. Et puis les gens vous regardent, les gens... mais il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de gentillesse, il y a beaucoup d'associations qui font du travail. Mais pour les handicapés, ah, monsieur Latchimi, il faut faire encore. Hein. Ah, il faut faire beaucoup pour les personnes. Ce serait ça, votre coup de gueule ? Mon coup de gueule ? Oui. Non. C'est quoi, votre... si vous avez un coup de gueule à... Ah, mon coup de gueule, je vais vous le dire. Je vais vous le dire net et clair. Mon coup de gueule, c'est de prendre nos affaires nous-mêmes en main et de ne pas laisser les autres faire pour nous. Mon coup de cœur, c'est... Ça, c'est une phrase du docteur Aliker. Hein ? Oui. Les meilleurs spécialistes de l'éducation martiniquaise, ce sont les Martiniquais eux-mêmes. Mais est-ce vrai ? Est-ce toujours vrai ? Voilà. Je vois qu'il y a en ce moment quelqu'un qui parle des Amérindiens, qui a écrit un conte. J'ai lu le conte, il m'a fait peur. Fameux gendarme qui est machin et tout. Mais c'est à nous de faire. C'est à nous d'écrire. Et d'ailleurs, je recommande l'excellente tribune de M. Chamoiseau, qui est parue le 3 de ce mois sur les Caraïbes, dans le Nouvel Observateur. Il a écrit quelque chose de très bien, d'accorder une nationalité au peuple primitif. Mais c'est à nous de faire. Il ne faut pas laisser la place aux autres. Il faut blinder le truc et faire nous-mêmes. Parce que ce conte, il me fait peur, moi, personnellement. Et quand je l'ai fait lire à d'autres de mes petites cousines, elles m'ont dit, mais c'est effrayant, effrayant. Donc ce serait dommage qu'il circule dans les écoles et qu'il soit vendu comme si de rien n'était et que, voilà, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai trouvé, c'est moi qui fais. Non. Michel, avez-vous peur de vieillir ? La vieillesse est un naufrage, dit-on. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que la vieillesse est un autre temps que Dieu nous donne pour pouvoir... Vous savez, ma grande-tante, elle est morte à 108 ans. Et mon arrière-arrière-grand-père, il est mort à 115 ans. Ils n'étaient pas... elle est morte avec toute sa tête. Le problème, c'est de vieillir en bonne santé. Si c'est pour vieillir, être grabataire, être très mal... Mais je suis contre l'euthanasie. Je suis contre... Je dis que je suis contre. Je ne suis pas encore dans les moments qui pourraient être difficiles. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas évident de vieillir. Je me rappelle d'Ava Gardner, Ava Gardner dans tous ses films, et qui avait perdu, qui était déjà Alzheimer. On ne connaissait pas la maladie et on lui mettait des grands panneaux partout pour que répéter son texte. Elle ne se rappelait plus de son texte alors que c'était Ava Gardner. Quand on a été une très belle femme ou un très bel homme, quand on a été sportif de haut niveau, le monsieur qui a 100 ans, qui a la flamme olympique pour les parents olympique, ça peut être difficile, mais c'est incontournable. Et c'est un cadeau de Dieu de vieillir et de bien vieillir et de vieillir en souriant, se réveiller. Alors, vous savez, comme par hasard, j'avais prévu de vous poser cette question, hein, de vous poser la question suivante. Est-ce que vous êtes de ces femmes qui refusent de dire leur âge ? Et vous l'avez dit au cours de l'émission, donc ça prouve que vous n'avez pas de complexe à ce niveau. J'en ai retiré quand même. J'ai retiré 2-3 ans. Hein. Mais ça, parce que vous savez très bien que vous êtes dans la fourchette. Mais est-ce que justement, vous arrivez aussi facilement à dire votre âge, pas parce que vous avez été belle quand vous étiez jeune, vous avez été une speakerine adorée, adulée, et puis que maintenant vous êtes une belle septuagénaire? Non, je veux vous dire, j'aurais pu mentir encore longtemps sur mon âge, mais il y a Wikipédia. C'est pas possible. Maintenant, plus personne ne peut mentir. Je connais l'âge de tout le monde, de toutes celles qui disent que j'ai 60 ans alors qu'elles ont 73 ans. Je connais l'âge de toutes celles qui ont 65 ans et qui disent j'en ai 50, et des garçons aussi. On peut plus mentir maintenant avec les moyens modernes. Il faut dire son âge. Et puis,
je trouve que Dieu m'a quand même fait un cadeau. Je regarde le double de l'image de la télé. Il m'a quand même fait un cadeau en me maintenant dans une certaine fraîcheur encore. Et mémoire, ça c'est la mémoire, ça c'est important. C'est important la mémoire. Donc là, avant de se quitter, on va parler de ce livre que vous affectionnez particulièrement, il me semble, c'est L'Étoile Noire, donc avec Saint-Benoît, c'est ça? Alors, comment vous arrivez à écrire un ouvrage sur un saint? Pourquoi? Parce que j'ai deux livres que j'affectionne, mais le livre qui a changé ma vie, c'est L'Étoile Noire. Hein. Il est traduit en 5 langues, en tchèque, en italien, en allemand, traduit en plusieurs langues. Et, donc c'est une fierté, une certaine fierté? Oui, je pense que c'est une certaine fierté d'être arrivé à l'écrire. Vous avez été aidé, est-ce que vous, secrètement, vous pensez que vous avez été aidé par Saint-Benoît? Saint-Benoît est arrivé après. Mais par contre, j'ai été aidée par Dieu, parce que j'aurais pu mourir. J'ai été agressée par un groupe de néo-nazis vers 1981. Je suis arrivée chez moi, j'ai mis mes deux genoux à terre, j'ai rendu grâce à Dieu que je sois vivante. Et comme c'était néo-nazis, nazisme, tout ça, je me suis dit, et s'il y avait eu des Noirs déportés dans des camps de concentration, c'est à nous de l'écrire. Et Michel, ça t'est donné à toi, c'est toi qui vas le faire. Ça m'a pris 10 ans de boulot. Il fallait trouver un historien, il fallait trouver... il fallait s'y mettre, il fallait écrire. Donc je l'ai construit comme un storyboard, j'ai mis les émotions, les idées, tout ce que je voulais faire. Et le livre est parti, pouf, immédiatement. J'ai eu toute la presse, de gauche, de droite, du centre, toute la presse très positive, des articles magnifiques et tout. Ça, c'est... On ne va pas faire L'Étoile Noire parce que je ne sais pas, peut-être qu'il nous reste... Il nous reste un petit peu de temps encore pour parler. Très peu de temps. Très peu de Je temps. Voudrais juste et vous analyser. L'Étoile Noire et Benoît. Alors, Benoît... Alors, je n'aurais jamais pu écrire L'Étoile Noire si ce n'était pas un moment de ma vie où je souffrais. Et je me suis dit, qui c'est qui peut plus souffrir? Je me suis dit, les déportés dans des camps de concentration, qu'est-ce qu'ils ont dû en baver? Et je me suis dit, en plus, une déportée noire dans un camp de concentration, dans une histoire qui n'est pas tout à fait la sienne... C'est terrible. Et je suis allée à Yad Vashem. Yad Vashem, c'est le musée de l'Holocauste en Israël. Je suis allée en Israël. Presque tous les Juifs d'Israël avaient lu L'Étoile Noire. J'étais très étonnée. Ils connaissaient mon livre. Et quand je suis arrivée à Yad Vashem, j'ai vu tous les visages avec une petite lumière et ça tourne et tout. Et après, quand j'ai vu le Memorial Act en Guadeloupe, je me suis dit, ils ont fait fort, les mecs, la conception et tout, j'étais heureuse, c'est magnifique, c'est pour nous les esclaves, mais il faudrait qu'on monte des photos, qu'il faudrait que, voilà. Sauf que l'image en ce moment de l'institution, laisse à désirer, parce qu'ils ont laissé ça à l'abandon, il faut beaucoup d'argent pour gérer tout ça. Ah, il faut de l'argent, Il faut de l'argent. Vous voyez, on a des idées, mais il faut que derrière, il y ait de l'argent. Alors, pour Benoît l'Africain, c'était un peu pareil. Je me disais, mais attends, Seigneur, mais attends, tu n'es pas un Dieu raciste. Je ne vois pas de saint noir, je ne comprends pas, je ne vois pas de sainte noire, je ne vois pas... Alors, je me suis dit, encore, ben Michel, tu vas chercher et tu vas trouver et tu vas poser des questions... aux gens autour de toi, est-ce que dans votre famille... Et je faisais partie d'un groupe de prière, rue du Rendez-vous, je me rappelle toujours, de Renouveau Charismatique. Et là, je criais un peu ma rage qu'il n'y ait pas de saint qui me ressemble, à qui je peux me confier. Et je me suis dit, non, il faut que cela change, voilà. À ce moment-là... La semaine d'après, une jeune femme est arrivée. Elle m'a dit, je me rappelle que ma grand-mère avait en grande vénération un saint noir qui s'appelait Benoît. Je vais retrouver les coordonnées, je vais tout retrouver pour vous, Madame Maillet. Voyez comme quoi il faut parler, comme quoi il faut communiquer. Je vais tout retrouver et je sais où il est. Et elle m'a dit, vous savez, elle m'a dit, oui, mon arrière-grand-mère était, parce que c'est un saint de 1600 et quelques, mon arrière-grand-mère est allée s'agenouiller devant pour demander que notre famille ait des enfants et tout. Il a été exaucé. Il est sa chasse, parce que là, il est dans sa chasse toute dorée. Et il est en Italie. Il est à Palerme. Elle m'a donné l'adresse. Je suis allée, alors j'avais déjà commencé à écrire, à griffonner des trucs. Je suis allée lui demander l'autorisation d'écrire sur lui. Après, je suis retournée à Palerme. Et là, je l'ai vu. Quand je l'ai vu, quand je suis rentrée
dans la petite chapelle, ça sentait une odeur de rose et de lys. Ça sentait bon. Et les moines qui étaient là, les moines, c'est pas des bénédictins. Non, c'est pas des bénédictins. Robe de bure marron, c'est pas non plus des dominicains, c'est pas des bénédictins, c'est des. Les moines qui étaient là m'ont dit, Madame, on va tout vous montrer, on va vous montrer sa chasse, on va vous dire, on va vous montrer les livres, on va vous aider, faites parler de lui, et c'est le patron secondaire de la ville de Palerme, c'est un saint qui est intact, il est conservé intact dans sa chasse, je l'ai vu intact, Monseigneur Macaire m'a fait 5 pages de préface. Hein? Mais il m'a laissé un peu tomber, Monseigneur Macaire, parce que je le dis, Monseigneur Macaire, en France, Sainte Bernadette, regarde, on a fait une pièce de théâtre, on fait des films, pourquoi on ne ferait pas une pièce de théâtre et pourquoi on ne ferait pas un film aidé par l'évêché et des capitaux et que M. Bernard Ayotte et tous ceux et tout qui ont les moyens ne pourraient pas faire un film sur le premier saint noir canonisé par l'Église. Parce que c'est ça. Moi, j'écris, mais je n'ai pas le pognon après pour faire la suite. Si les gens ne prennent pas, je ne comprends pas que l'étoile noire, disant il y a eu des noirs déportés dans des camps de concentration, aucun film. Là, il y a eu un noir machin, aucun film. Il faut faire les choses parce que je ne suis pas éternelle. Un jour, je ne serai plus là. Michel, on sera obligé de se séparer. Mais juste avant, je voudrais vous poser la question puisque je vous avais demandé quelle question vous auriez aimé que je vous pose. Et vous m'avez dit que vous auriez aimé que je vous parle de vos souvenirs. De quel est le plus beau souvenir que vous avez de la vie? Donc, c'est ça ma dernière question. Quel est le plus beau souvenir que vous avez de la vie jusqu'à présent? Le plus beau, mais je pense que c'est je vous l'ai celui, dit. C'est avec votre maman. Avec ma maman, voilà, avec c'est le bébé qu'on a mis dans mes bras, avec l'amour que j'ai reçu. Mes plus beaux souvenirs, c'est d'avoir été un enfant aimé, désiré et aimé. Ça, c'est ma colonne vertébrale. On peut me dire, rien ne m'abat, monsieur Médouze, parce que je sais que j'étais un enfant désiré et aimé. Et ça me fait penser à la chanson « Où es-tu, papa, où es-tu ?» de Stromae. Et la chose la plus douloureuse en Martinique est dans la cellule familiale. La cellule familiale martiniquaise ne va pas bien depuis longtemps. Et c'est « Famille, je vous aime ». Lisez de Jean-Paul II, « Famille, je vous aime ». Il faut aussi qu'on n'oublie pas tout le patrimoine, tout ce qu'on a reçu. Bon, que l'Église soit dans des tourmentes actuelles extraordinaires, mais on a quand même un patrimoine chrétien qui est important. On est de démocratie chrétienne. On ne peut pas ne pas lire des auteurs comme Bernanos, comme Antoine de Saint-Exupéry. Et je vais terminer par cette phrase. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. C'est une belle fin. Merci d'avoir répondu à nos questions et bon courage pour la suite. Merci, M. Médouze, de m'avoir reçu. Je voulais dire quelque chose, je peux le rajouter? Allez-y. M. Médouze, je voulais vous dire que vous avez une voix radiophonique. On me l'a dit beaucoup aussi pour moi. Mais cette voix, je m'en suis servie. J'ai fait beaucoup de publicité, beaucoup de choses. Mais une dame m'a dit dans un bus, parce que j'interrogeais beaucoup de gens. Avez-vous vu des Noirs déportés? Dès que je voyais une dame d'un certain âge, je posais des questions. Et est-ce que vous voulez, vous n'avez pas peur de moi? Elle m'a dit, Madame, avec cette voix, on n'a pas peur de vous. Monsieur Médouze, avec la voix que vous avez, on n'a pas peur de vous. Merci. N'ayez pas peur. Merci. C'est gentil. Merci. À bientôt.